C'est une émotion très particulière pour moi, Ingrid, de vous recevoir aujourd'hui à Nancy. Pardonnez-moi de vous appeler peut-être un peu familièrement par votre prénom, mais ici, comme dans tant d'autres villes au monde, votre photo sur la façade de l'hôtel de ville est restée à accompagner symboliquement votre si longue détention. Et aussi, j'ai la sensation, nous avons la sensation ce soir, en vous accueillant, de retrouver quelqu'un qui nous est proche, une amie en somme. En 2006, grâce à votre comité de soutien d'alors, j'avais partagé Place Stanislas, un moment très exceptionnel avec votre maman et votre sœur Astrid. Toutes deux se battaient avec une formidable détermination pour votre libération. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, de votre maman regardant la mairie, regardant votre photo et me disant « Vous savez, Ingrid, elle est forte, elle sera libre un jour et vous verrez, elle viendra à Nancy. » Alors, je suis très émue ce soir. Merci. Moi aussi, je suis très émue. Votre maman avait heureusement raison, vous êtes là, mais vous êtes là en même temps à la veille d'un triste anniversaire. Demain, nous serons le 23 février. Mesdames et messieurs, c'est le 23 février 2002, il y aura demain 9 ans, jour pour jour, qu'Ingrid Betancourt, député puis sénateur de Colombie, il faut le rappeler, élu avec le meilleur score du pays, candidate aux élections présidentielles, était enlevée sur la route de San Vicente, on dit comme ça, absolument, de San Vicente, par les FARC, forces armées révolutionnaires de Colombie. Vous resterez dans des conditions de détention terrifiantes, leur otage dans la jungle pendant 6 ans et demi, et serez libéré par l'armée colombienne avec 14 autres otages le 2 juillet 2008. Alors, votre descente d'avion, ce jour-là, personne ne l'a oublié. L'émotion était au même niveau que la mobilisation internationale et une mobilisation qui était relayée en France avec particulièrement d'amour par vos deux enfants, Mélanie et Lorenzo. Aujourd'hui, après des mois d'écriture, vous publiez dans la collection blanche de chez Gallimard, la collection des œuvres littéraires, et je tiens à dire que votre livre est une œuvre littéraire, pas simplement un récit d'otage, même le silence a une fin. Un témoignage d'une grande force sur ce que vous avez vécu et en même temps une réflexion universelle sur la condition d'otage. Un livre bouleversant, d'émotion, de douleur, d'espoir, un récit d'aventure et en même temps et peut-être surtout une formidable leçon d'humanité. Alors, Ingrid, lorsque vous êtes sortie de captivité, vous avez dit, et on l'a lu dans la presse, ce qui s'est passé dans la jungle doit rester dans la jungle. Ma première question est évidente. Pourquoi finalement, alors que vous ne le pensiez pas au départ, avez-vous ressenti le besoin d'écrire ce livre qui est un très gros livre de 700 pages? Pourquoi? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier, Françoise, parce que c'est vraiment très émouvant pour moi d'être ici avec vous, et je voudrais vous remercier à vous tous d'être là. Oui, c'est vrai qu'il y a 9 ans, j'ai commencé une autre vie. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées dans la jungle et qui doivent rester dans la jungle. Je crois que ça fait partie de ce qui doit se faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas partager, je pense, plutôt par souci esthétique que pour autre raison, parce que tout simplement, il y a une gratuité dans certaines choses, ça ne nous apporte rien, le fait d'en parler ne fait pas la différence, sauf qu'elle peut en les dire certaines choses. Donc oui, par souci d'esthétique, je pense qu'il vaut mieux ne pas parler de certains événements, mais j'avais besoin de partager. J'avais besoin de partager ce qui nous était arrivé à ceux qui avions donc vécu ce drame de la séquestration, parce que je crois que on peut regarder ce qui nous arrive dans la vie et surtout les difficultés de deux points de vue.
soit on peut se dire que c'est horrible et on peut justifier le reste de sa vie dans un apitoiement de soi-même sur ce qui s'est passé, soit on peut remercier le destin d'avoir vécu cette expérience évidemment douloureuse, mais qui peut être aussi une porte qui s'ouvre, une découverte de soi-même, une opportunité de croissance. Et c'est dans ce sens-là que je voulais partager, parce que je crois que nous vivons tous des moments difficiles dans nos vies, et que nous n'avons pas souvent les instruments de réflexion nécessaires pour regarder les choses d'une autre façon. Et que moi, j'ai eu l'opportunité dans la jungle de, justement parce que je n'avais pas d'option, de me construire des mécanismes de survie, et que c'est dans ce sens-là que je pense que c'est utile de les partager. Oui, alors on comprend mieux pourquoi c'est un livre que vous avez écrit seul, pas aidé, il faut le dire. Vous n'avez pas voulu laisser le choix des mots à d'autres personnes. On comprend mieux pourquoi, en même temps, vous avez eu du mal à parler au départ. Et pourquoi l'écrire tout d'un coup ? Est-ce que lorsque vous étiez dans la jungle, vous avez essayé de prendre des notes, de retenir ? Parce que votre livre semble d'une précision assez ahurissante, jusqu'au moindre bruissement de feuilles. Vous semblez tout raconter, semblez peut-être. Non, je crois que j'ai oublié beaucoup de choses, mais évidemment, 6 ans et demi, on ne peut pas les garder enregistrés dans sa tête. Mais je pense que c'est à travers du souvenir émotionnel que j'ai pu construire ce livre. Il y a des choses qui m'ont beaucoup marquée parce qu'elles m'ont fait mal, ou parce qu'elles ont été émotionnellement très intenses. Et c'est vrai que dans mon disque dur d'émotions et de souvenirs, ça arrivait avec tout ce qu'il y avait autour. Le moment que je décrivais, je pouvais tout de suite y être, et donc me rappeler comment j'étais habillée, si j'avais faim, si j'avais froid, s'il pleuvait, s'il faisait chaud, où était la rivière, où était l'endroit d'habitation, la caleta, ce que nous appelions la caleta, c'est-à-dire la tente avec le hamac dedans, ou l'endroit où nous allions dormir, parfois par terre. Ce sont des souvenirs qui arrivent tous enchaînés les uns avec les autres. C'est des Madeleines de Proust, en fait. Alors, nous allons bien sûr parler tout au long de cette rencontre de ce livre. Vous l'avez écrit en français. Or, vous avez vécu vos 6 ans et demi de détention, 26 saisons en enfer, en espagnol, bien sûr. Pourquoi le français ? Vous avez été élevé en partie en France, mais pourquoi l'avoir choisi plutôt que l'espagnol pour écrire ? Je crois que ça n'a pas été un choix. En fait, je crois que j'ai été incapable de l'écrire en espagnol. Et je pense que si je l'avais écrit en espagnol, peut-être que le livre aurait été totalement différent. Je crois que le français m'était nécessaire parce que les émotions étaient trop fortes. C'était prendre du recul. Oui, oui. Et même en français, c'était dur. Mais au moins, en français, j'avais l'impression que je parlais d'une autre Ingrid, de l'Ingrid qui était là-bas, dans la jungle, qui avait vécu en espagnol, alors que celle qui écrivait était celle qui était de retour à la liberté. Au départ, j'ai cru que c'était parce que j'avais fait effectivement ma scolarité en France et que je me disais, bon, j'ai... Vous avez vécu combien d'années en France ? Autant qu'en Colombie. Lorsque j'avais 40 ans, j'avais fait le compte à ce moment-là, j'avais vécu autant en France qu'en Colombie. Là, maintenant, les 6 années de captivité ont fait pencher la balance, mais on se rattrapera. Et voilà, je pense que la captivité avait besoin d'être racontée en français pour me permettre d'aller au fond de mes réflexions. Parce qu'en fait, ce qui était dur pour moi, enfin, c'était un parti pris. Quand j'ai décidé d'écrire le livre, je voulais écrire un livre qui soit...
Je voulais en fait réussir ce que je ne pouvais pas faire en parlant avec mes enfants, parce que j'étais arrivée de captivité avec l'intention de leur raconter ce que j'avais vécu. Et puis quand je me retrouvais face à face en famille avec eux, avec maman, et que je voyais, si vous voulez, le côté inquiétant de pour eux très difficile de me poser des questions, et que si jamais finalement ils réussissaient à s'aventurer à poser une question, quand je m'apprêtais donc à répondre, il y avait tellement d'horreur et de souffrance dans leurs yeux, avec ce qu'ils prévoyaient que j'allais leur raconter, que c'était insoutenable, je ne pouvais pas. La peur de les abîmer aussi, oui. Avec vos souvenirs. Oui, c'était impossible, c'est devenu impossible. Et donc, et pourtant, je voulais qu'ils comprennent, je voulais qu'ils soient là avec moi, je voulais qu'ils fassent le voyage de retour avec moi, parce que j'étais absolument convaincue que ces 6 années étaient 6 années d'une richesse extraordinaire du point de vue émotionnel. Alors, vous commencez votre livre sur l'une de vos évasions ratées, elles l'ont été évidemment toutes. On est en décembre 2002, vous partez seule, Clara Horace ne vous a pas suivie, vous êtes rattrapée, et là c'est l'escalade de la cruauté, vous êtes punie, humiliée, dégradée. Pourquoi est-ce que vous avez mis ce moment-là en premier dans votre livre? Il fallait exorciser ça pour continuer. Est-ce que le livre n'est pas chronologique? Ce sont tous des moments d'émotion. Je crois que j'ai commencé par ce qui probablement me paraissait le plus dur, en me disant bon, il faut en finir avec ça d'une certaine façon. Il faut trouver le moyen d'évacuer. Mais je pense qu'aussi, enfin, je crois que commencer le livre par cette porte d'entrée est aussi la meilleure façon de mettre le lecteur en plein dans la jungle. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, vous y êtes, vous avez tout. Et je pense qu'à partir de là, on comprend plus facilement tout ce qui va venir. Parce que c'est vrai que pour moi, ça a été ça. J'ai été, du jour au lendemain, plongée dans cet univers, comme ça. Oui, vous étiez, entre guillemets, une fille de la ville, pas du tout préparée à la jungle. Non, pas du tout. J'avais en plus... Bon, il y a des passages assez ridicules, mais c'est quand même ce que j'ai vécu. La première fois que j'ai essayé de m'évader, on réussit finalement à sortir de, si vous voulez, de l'anneau de sécurité des gardes. On s'enfonce dans la brousse, on marche toute la nuit, alors une nuit de tempête, d'orage, on est trempé, on a froid, on a du mal à marcher parce que c'est une jungle très dense. Et que se frayer un passage est très physiquement très dur. Et quand le matin arrive et qu'on se regarde, moi j'ai en face de moi un fantôme. J'ai une personne qui vient de perdre en une nuit 3 kilos, complètement déshydratée, les yeux hors de la tête, et j'ai peur. Et je me dis, on va crever. On va crever, on va pas tenir. Et évidemment, le plus naturel aurait été de boire de l'eau. On avait une rivière juste à côté. Il s'agissait tout simplement d'aller chercher de l'eau. Mais on avait peur de cette eau boueuse, noirâtre. On était, voilà, on attendait la bouteille. On avait été élevé dans cet esprit-là. Il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre que je ne mourrais pas si je buvais de l'eau d'une flaque d'eau. Donc vous vous êtes exercé pendant des mois à boire l'eau boueuse en vue de votre prochaine évasion. Oui, pour me convaincre que oui, je pourrais avoir une amibiase, mais ça n'irait pas plus loin.
En même temps, d'évasion en évasion, parce que vous ne pensiez qu'à ça, vous échafaudiez sans arrêt des plans pour partir, on se demande comment vous avez mis de côté la peur, la souffrance, d'où vous vient cette formidable force de résister qui vous a permis d'être encore là aujourd'hui, malgré tout ce que vous avez subi. Mais je crois que nous l'avons tous, cette force en nous. Elle se déclenche avec des mécanismes qui sont pour chacun de nous différents. Pour moi, c'était l'amour. Moi, j'avais cette espèce de vision de l'amour de mes enfants, de ma famille, de ma mère. J'avais envie de retourner chez moi. Je voulais pas. Mon option n'était pas de m'adapter et d'essayer de voir comment je pourrais vivre sans trop d'ennuis les années auxquelles il m'avait condamnée. Ce qui était une vraie différence d'ailleurs entre les otages. Il y avait des otages qui s'adaptaient et qui éventuellement essayaient de composer avec les FARC, ce qui a été le cas d'ailleurs de Clara Horace, oui. Et je crois que c'est un petit peu ce qui vous a séparé aussi très vite. Et puis vous, qui jamais n'avez accepté la moindre... Enfin, l'idée est de composer, ni de vous taire, d'ailleurs. De composer, de temps en temps, j'ai dû composer. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus penser que les choses sont noir et blanc, ou qu'on est bon si on essaie de s'échapper, mauvais si on essaie de s'adapter. Je ne crois pas. Je crois que ce sont des moyens de survie. Chacun puise en lui-même... ce qui lui permet de tenir. De traverser l'enfer. Voilà, de traverser l'enfer, de traverser la vallée des larmes. Moi, j'avais besoin de me dire que je pouvais reprendre contrôle de ma vie et revenir chez moi. Et que je ne pouvais pas laisser ce choix aux autres. Que c'était ma responsabilité de retrouver le chemin de retour à la maison. C'était une obsession pour moi. C'était même pas... Je ne sais même pas si c'était un choix. J'étais comme ça. Mais pour les autres, ils étaient eux aussi comme ça. Ils voulaient tenir. Et ils se disaient que pour tenir jusqu'au moment où ils seraient libres, il fallait être le plus prudent possible. Et la prudence s'exprimait pour eux dans le fait de s'adapter. Pour moi, l'adaptation n'était pas envisageable. Alors, évidemment, vous avez des pages terribles sur la jungle elle-même, sur les insectes. C'est cauchemardesque ce que vous racontez. On découvre des insectes dont on n'a pas la moindre idée, ces fameux congas. Il y a tout, les serpents, les caïmans. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous au quotidien ? Ben, vous savez, moi, j'ai toujours eu une phobie. C'est la phobie des insectes. Ah ben. J'ai pas peur du tigre ou du lion. J'ai pas peur des serpents. Mais les insectes, je crois que c'est le côté un petit peu irrationnel des bêtes où on peut pas les regarder dans les yeux. Je crois que c'est ça. Qu'ils vous attaquent en masse, une nuée de... Il y a des trucs, ils appellent ça les manta blancas. Quand vous les voyez, c'est des petites choses. Vous pouvez les attraper comme ça à la volée, vous ouvrez la main, et c'est des petites mouches, mais tellement frêles, presque, comment dire, presque de la poussière. Et elles font très, très, très mal. Et elles s'infiltrent sous les vêtements, et elles vous bouffent carrément. Et vous traversez une nuée de manta blancas, et vous en sortez comme un épi de maïs. Vous êtes complètement c'est très très violent. C'est des bêtes très très violentes. Mais je crois que chez moi, ce qui m'angoissait énormément, c'est ce côté totalement presque robotique des insectes. Alors curieusement, je n'avais pas la même impression face à une tarentule. La tarentule, elle marche vers vous, elle voit que vous êtes là, elle se met sur ses deux pattes et elle attaque, elle saute vers vous. Alors évidemment, bon, c'est pas... Mais au moins, voilà, il y a quelque chose que vous pouvez comprendre, il y a une réaction que vous comprenez. Les autres vous bouffent,
C'est surtout ça. Vous avez vraiment l'impression d'être un morceau de viande dans la jungle. Donc, et en plus d'y faire des marches interminables, parce que les FARC vous déplacez régulièrement pour qu'on ne puisse pas vous repérer, évidemment. C'était terrifiant, des heures et des heures de marche. Oui, c'est terrifiant d'abord parce que c'est physiquement très difficile. Ce sont des marches qui débutent, on vous fait vous lever à 4h30 du matin et je dis on ne vous réveille pas parce que vous êtes déjà réveillé par le stress et l'angoisse. On ne dort pratiquement pas dans l'attente de ce réveil. Donc à 4h30 du matin, donc il fait nuit noire, vous êtes au milieu de la jungle et vous devez tout emballer avant la levée du jour. Alors, il y a des tas de petites peurs que vous devez amadouer là, parce que vous vous dites, il faut bien secouer le hamac, parce que peut-être qu'il y a une bête, et si jamais je plie le hamac, je vais me faire piquer, ou il y aura peut-être un serpent. Donc vous êtes tout le temps dans cette espèce de peur du noir, de peur de ne pas voir ce qui est en face de vous. Et vous devez apprendre à faire des gestes mécaniques, tout bien plier, parce qu'en plus, vous avez un espèce de sac à dos, mais il faut tout faire rentrer là-dedans. Et c'est vos habits, c'est le hamac, c'est la moustiquaire, c'est la tente, et tout doit être plié d'une certaine façon pour que ça tienne exactement dans l'espace, et vous faites ça dans le noir. Bon, on apprend. Et après, dès que le jour s'est levé, vous êtes avec votre sac à dos, prêt pour la marche, en file indienne, et ça va durer jusqu'à 4 heures de l'après-midi, non-stop. Alors, on s'imagine la jungle comme un... Moi, je me rappelle très bien de penser que la jungle était plate. En fait, vous vous imaginez une grande étendue quand vous voyez ça dans une map monde, vous vous imaginez une surface plane avec plein d'arbres, mais au sol plate. Eh bien, pas du tout. C'est un relief inouï. J'avais jamais vu ça. Ce sont des montées raides et des descentes tout aussi raides. C'est comme si on avait pris la surface de la terre et on l'avait plissée comme un tissu. Et vous, vous êtes une fourmi qui montait et descendait. C'est crevant. C'est absolument crevant. Et dans chaque, au fond de chaque pli, il y a un ruisseau. Donc, c'est le moment où vous arrêtez 2 secondes pour boire un petit peu d'eau et pour continuer. Sauf qu'on est en plein changement climatique. Donc, une fois sur trois, il n'y a pas d'eau. Et vous avez soif et voilà. Bon, et vous arrivez... Alors, évidemment... après une journée de marche, vous avez transpiré tout ce que vous avez pu, vous êtes tombé dans la boue, vous êtes relevé, vous êtes crasseux de la tête aux pieds, et vous avez 15 minutes pour vous laver dans une rivière, toujours avec des courants terribles, donc il faut que vous soyez en équilibre pour ne pas perdre vos affaires, etc., et vous devez laver vos affaires parce que vous n'allez pas... Enfin, un petit peu, si vous voulez, le choix, c'est de soit on enlève ses vêtements et on les laisse là, et puis le lendemain, on les remet crasseux et mouillés. Soit on les lave et on les mettra mouillés, oui, mais au moins propres. Donc, voilà, on lave tous les jours. Enfin, c'est très, très rude. Alors, tout ça commandé par les FARC, ce livre est évidemment, vous avez passé 6 ans et demi avec eux, un document très unique sur l'organisation que représente. Vous les décrivez comme des monstres cruels, pour la plupart, qui humilient, qui ont l'âge de vos enfants, en fait, qui sont très jeunes. D'ailleurs, ils vous appellent la vieille. Et puis, par moments, il y a quand même des gestes de compassion. Vous rencontrez Rosita, vous rencontrez Ferné, qui vous dit « Un jour, je vous verrai à la télévision libérée. » Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste de... Oui, il me reste beaucoup de choses, parce que j'ai beaucoup appris de ces jeunes. Il y avait, je pense, par la... Ils ont quitté leur famille eux-mêmes, ils sont otages de leur propre organisation. Oui, ils sont otages de leur propre organisation. Ils l'ont fait, certains l'ont fait parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils n'avaient pas d'autre opportunité, parce que dans cette jungle où ils sont nés, ils ont deux choix. L'un, de rentrer dans le commerce de la drogue,
en tant que paysans qui vont produire de la feuille de coca et vont la transformer en pâte de coca et vont commencer le cycle de transformation pour faire de la cocaïne. C'est un métier très dur et très risqué, parce qu'ils sont toujours, si vous voulez, menacés par les soldats, par la police, qui évidemment, ils font leur boulot. Et pour les filles, dans ce monde d'hommes, les filles qui habitent là, elles sont condamnées à la prostitution. Donc, le choix d'entrer dans les rangs des FARC est une promotion sociale, d'une certaine façon. Mais une fois qu'ils y sont, c'est à vie. Ils ne peuvent plus revenir chez eux. Alors, je dis cela avec une exception, c'est les Indiens. Parce que dans la jungle, évidemment, il y a beaucoup de tribus indiennes. Et les FARC obligent les tribus indigènes à leur fournir des adolescents. Donc, ils raflent, comme ça, ils font des rafles. Et ils prennent les garçons entre 13 et 15 ans. Et c'est déchirant. Parce qu'en plus, ce sont des communautés qui sont très familiales. Les garçons de ces âges-là sont vraiment très proches des parents. Et moi, j'ai vu des jeunes indiens qui étaient donc récemment comme ça pris par la force, qui pleuraient la nuit. Qui pleuraient la nuit parce qu'ils voulaient rentrer à la maison. Donc c'est un monde dur. C'est un monde très très dur. Ces jeunes sont confrontés à leur conscience constamment parce qu'ils ne sont pas nécessairement mauvais, mais ils sont bien conscients que ce qu'ils font fait souffrir, parce qu'ils nous voient, nous, en tant qu'otages, dans la souffrance du quotidien, et qu'ils sont en même temps sous la pression de leur père, parce que la pression du groupe est très très forte, et on voit avec le temps si vous voulez, la dégénérescence de leur comportement. Et au départ, si vous voulez, quand il y a un nouveau groupe de guérilleros qui vient pour prendre la relève par rapport à un autre groupe de garde, en général, ils sont gentils, ils veulent savoir qui on est, ils sont curieux. Et puis, au fil des semaines, on voit leur comportement devenir de plus en plus abusif, de plus en plus cruel, de plus en plus distant, hautain, jusqu'à l'extrême, jusqu'à ce qu'ils deviennent véritablement monstrueux. Voilà. Et c'est pour ça que moi, dans cette expérience que j'ai vécue avec eux, je me suis toujours demandé, bon, et si mes enfants avaient été là, alors que je sais que mes enfants sont bons dans leur âme, qu'est-ce qu'ils auraient fait face à la pression du groupe, face à l'exigence, au raisonnement idéologique? Et donc la question est, qu'est-ce que nous aurions, nous, fait, chacun de nous? Quelle est notre capacité de résistance face à la pression de ceux qui veulent nous transformer en monstres? Monstres bourreaux, monstres victimes, parce qu'il y a aussi une monstruosité dans le fait de s'accepter, de s'assumer en tant que victime. Il y a une transformation psychologique aussi, d'accepter l'abus, de ne pas avoir la force de tenir tête. D'ailleurs, vous dites que vous n'êtes pas une victime, mais une survivante. Oui, c'est très important. C'est très, très important. Il ne faut jamais s'accepter comme victime, ni victime des autres, ni victime de soi-même, ni victime de son destin. Je crois que dans l'image que nous devons nous projeter de nous-mêmes, il doit y avoir la survivance, c'est-à-dire aller au-delà de notre souffrance, être plus grand que les difficultés que nous devons confronter. Ce qui va avec le mot dignité qui chez vous revient souvent et vous écrivez ne pas donner aux FARC l'essence de moi-même. En fait, le titre de votre précédent livre était La rage au cœur, mais la rage au cœur, ça guide votre vie. Oui, oui. Oui, sauf que je pense que je ne suis plus au stade de la rage au cœur. Vous êtes apaisée ? Oui, évidemment. Mais je crois qu'il y a
ce sont des étapes que l'on franchit. Et je crois que la rage, on peut la sentir, mais il faut l'évacuer aussi. Et je pense qu'il faut toujours aller chercher dans l'amour la réponse à ce qui nous pose le plus de problèmes. Je pense que finalement, l'amour est notre plus grande force, c'est notre plus grand trésor, c'est notre plus grande arme face à l'absurde, face à la cruauté, face... Et on a toujours le choix. Alors, dans l'amour, il y a la foi. Oui. Est-ce que vous étiez croyante avant et est-ce que, en particulier au moment où vous avez été très malade, on a l'impression que vous étiez très mal dans votre corps et que vous aviez atteint une méditation qui vous permettait là de tenir. Est-ce que la foi a été un rempart pour vous, une aide précieuse ? Oui, oui. Alors, il faut quand même que je vous dise que ce n'a pas toujours été le cas. Si vous voulez, moi, j'ai été élevée dans une famille catholique. Je ne me posais pas trop de questions. Je voyais plus dans la religion des rites sécurisants, utiles, oui, parfois. Mais je n'allais pas plus loin. Je pense que j'avais une relation avec Dieu finalement très opportuniste. Quand j'avais une difficulté, je me rappelais qu'il existait et je me disais, ah ben, tu pourrais quand même m'aider si tu existes. Alors évidemment, quand on est confronté à ce que j'ai été confronté, ce n'est plus suffisant. Et il faut véritablement se poser, avoir le courage de se poser les véritables questions qui sont, bon, est-ce que je crois vraiment ? Est-ce que je peux croire vraiment ? Est-ce que ce qu'on me raconte... Je peux vraiment le gober, puisque vous l'avaler. Oui. Ce que vous vivez change votre relation à la mort aussi, j'imagine. Oui. La peur ou l'incertitude du lendemain. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, évidemment, dans une situation de captivité, il faut dormir avec la mort d'une certaine façon. C'est-à-dire que dans la vie que nous vivons normalement, la mort est toujours repoussé dans ce temps du futur qui ne va pas nous arriver, pas encore, qui peut arriver aux autres, mais pas à nous. Et c'est, voilà, on veut se concevoir comme éternel. Et donc, on est très mauvais administrateur de notre temps. Parce qu'en tant qu'être éternel, eh bien, il y a des tas de choses essentielles que nous laissons pour après, et des petites urgences qui prennent tout notre temps et qui ne sont pas essentielles. Si on intègre la mort comme quelque chose de positif, c'est-à-dire comme cette valeur qui... enfin, pas cette valeur, en fait, c'est cet événement qui va donner de la valeur au temps que nous vivons. Et si nous voyons dans la mort quelque chose de positif, une autre expérience à vivre presque, en essayant de ne pas s'angoisser, que ce ne soit pas un rapport avec la mort dans l'angoisse, eh bien c'est vrai que ça change la vie, parce que du coup, on se rend compte qu'on n'est pas éternel, on se rend compte que le temps est précieux, on se rend compte qu'il faut prioriser autrement, et que peut-être il faut prioriser par amour, justement, qu'on a toujours tendance à mettre les gens que nous aimons le plus au bas de notre liste de priorité, parce que de toute façon, ils seront toujours là, et qu'on aura tout le temps pour... leur donner du temps, et puis on est rattrapé par le temps, et un jour on se rend compte que les enfants ont grandi, les parents sont morts, la vie n'est pas celle qu'on pensait, et on a dilapidé ce temps précieux. Et que donc peut-être la réflexion à faire, c'est de se dire, voilà, il faut donner le temps présent à ceux que nous aimons le plus, tout de suite. Et quand on est comme vous, 6 ans et demi otage, vous dites que le temps devient circulaire, que l'ennui
une journée, c'est une journée d'ennui et donc une journée pour penser et pour méditer. Oui, c'est-à-dire que le temps change, enfin la relation que nous avons avec le temps change. Dans le monde de liberté, la journée passe très très vite, mais on a l'impression que l'année s'écoule lentement et quand on regarde en arrière, on a la satisfaction d'avoir beaucoup vécu. Alors qu'en captivité, c'est exactement le contraire qui nous arrive. La journée est éternelle, on ne sait pas quoi en faire. Et on attend avec soulagement que la journée finisse pour pouvoir se dire un jour de moins. Mais qu'on est rattrapé par ce temps qui s'accumule très très vite et que la première année, ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et ça arrive tellement vite. Et on se dit, mais comment peut-il se faire que ça fait déjà 5 ans que je suis ici? Et c'est l'angoisse du temps perdu, du temps qui vous a été enlevé dans votre vie, dans vos choix, dans votre liberté. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui dans la jungle des otages qui étaient là quand vous y étiez et combien y en a-t-il encore en Colombie? Bon, en Colombie, il y a beaucoup d'otages parce qu'en fait, c'est un négoce. C'est les otages économiques qui sont kidnappés pour des rançons. Il doit y en avoir encore 3 000. 3 000? Oui. Alors ceux qui, comme moi, étaient kidnappés pour des raisons politiques, dans l'idée de les échanger pour des guérilleros en prison, il y en a encore 18. Et de ces 18, la majorité, je les connais. Ce sont des gens qui ont partagé avec moi des moments de captivité. Alors c'est très dur parce que... Bon, c'est très dur à si vous voulez, à vivre psychologiquement parce que il y a d'abord le fait que vous ne voulez pas et vous ne devez pas les oublier. Oui. Et ça, c'est quoi faire pour eux aujourd'hui? Oui. Il faut être là pour eux, il faut les nommer, il faut y penser, il faut les ramener dans la conscience collective pour que, à travers nos mots, à travers notre mobilisation, nous puissions les faire revenir. Mais il faut faire attention aussi, en particulier pour nous qui avons vécu la séquestration, de ne pas en faire une justification de malheur. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons tous une propension à nous sentir plus confortables dans le malheur que dans le bonheur. On a toujours besoin de raconter les maladies que l'on souffre, les peines que l'on a, les échecs. Enfin, on a une propension à se mettre en valeur dans la souffrance. Et qu'il faut apprendre aussi à se mettre en valeur dans le bonheur. Et qu'il faut faire très attention de ne pas utiliser le malheur des autres pour se justifier dans cette espèce d'engouement de la souffrance. Il faut faire attention à ça. Il faut être très sain dans la vie. Avoir des rapports sains avec les autres, avec le bonheur. Avec... Et donc, il faut aussi savoir vivre le présent dans le bonheur et dans la gratitude. Pour revenir au moment de votre détention et parler des rapports humains, plusieurs chapitres de votre livre sont consacrés aux querelles, aux disputes, au manque de solidarité entre les détenus. J'imagine que les FARC avaient des stratégies pour vous diviser entre vous, mais est-ce que le fait en même temps que la mobilisation internationale se projette sur vous et sur vous exclusivement n'a pas été dur à vivre dans la jungle? Ça a été très très dur. Ça a été dur pour eux, pour mes compagnons, qui se sentaient abandonnés et injustement dénigrés, dans le sens où il y avait, si vous voulez, une présence médiatique qui était la mienne, qui était constante et qui les meurtrissait, parce qu'il y avait comme un choix des médias de donner plus d'importance à une personne qu'à une autre, comme si la vie d'une personne pouvait valoir plus que la vie des autres, et que pour eux, cela était absolument monstrueux. Et on leur avait enlevé leur vie, on leur avait enlevé leur identité. Ils souffraient comme moi,
pas plus, pas moins, mais comme moi. Et ils n'étaient pas reconnus dans leur souffrance, dans leur malheur. Ils n'avaient pas de nouvelles de leur famille. C'était monstrueux. Et pour moi, c'était très, très dur. Parce que d'abord, ça, je l'ai compris tard. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Pour moi, c'était révoltant de me dire qu'ils m'en voulaient parce qu'on me nommait à la radio alors que je n'y étais pour rien. Je n'avais pas demandé qu'on me nomme et je n'avais pas conscience, si vous voulez, de ce qui se passait quand ici. Quand vous êtes vous rendu compte du soutien international sur vous, vous concernant ? J'écoutais, je savais qu'il y avait des comités, je savais qu'il y avait des choses qui se passaient, mais je n'ai jamais compris la dimension de ce soutien. Jamais. Je pensais que c'était des faits isolés. Je voyais bien que ma famille était obsédée par la chose et qu'ils étaient très engagés, qu'ils étaient vraiment devenus ce qu'on peut appeler des freedom fighters, c'est-à-dire vraiment un engagement évidemment émotionnel, affectif, etc. Mais aussi, c'était des lutteurs pour la liberté, la mienne, mais aussi celle des autres. C'était devenu vraiment partie de leur agenda de vie. Mais je ne savais pas je ne savais pas, par exemple, que mon image vous était aussi familière, à vous tous qui êtes là. Et quand je dis à vous, partout en France, j'imaginais, bon, j'avais su que certaines mairies l'avaient fait, je ne savais pas que ça avait été aussi énorme. Finalement, au moment où la Colombie a eu envie d'étouffer le fait que vous soyez otage et que votre escorte ait été supprimée le jour où vous avez été capturé, puisque c'est quand même une partie du problème, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, la France, elle, a refusé qu'on oublie. Oui. Et vous a affiché par tous. Et m'a sauvé, tout simplement. Vous pensez que cette mobilisation a été pour vous ce qui vous a permis d'être sauvé? Oui. Et je pense que, vous savez, il y a toujours cette discussion s'il faut parler des otages, je ne peux pas en parler. Moi, ma réponse, elle est très simple. Il faut en parler. C'est ce qui a maintenu Aung San Suu Kyi en vie. C'est ce qui maintient Florence Cassez en vie. C'est ce qui... Enfin, toute proportion gardée. Mais c'est vrai que le fait où Gilad Shalit ou tant d'autres... Le fait que les ravisseurs ou les personnes qui retiennent ou enlèvent la liberté d'eux, c'est parce que je pense à Florence et Cassez et il y a des termes qui ne sont pas génériques, on ne peut pas la mettre dans le même cas qu'eux, mais en même temps, bon, il faudrait qu'on en parle de ça aussi. La conscience que ces personnes habitent dans le cœur des autres crée une protection de vie. Alors, peut-être c'est vrai que c'est plus difficile à négocier, que ça devient, si vous voulez, un espèce de trophée et que les relations se compliquent. Mais regardez, par exemple, le cas de mes compagnons otages. Si je vous parle de Romero ou de Salcedo, c'est peut-être des noms que vous n'avez pas entendu parler ou prononcer avant. Ils ne sont pas connus. Et ils sont encore là-bas. Moi, je suis connue et je suis ici. Donc, moi, je crois que le fait, si vous voulez, d'avoir été portée par les médias a sauvé des tas de vies. Quand on a été rescapé par l'opération Échec et Mat, avec 14 de mes compagnons, 14 vies sauvées. Et moi, je suis convaincue que c'est grâce à ce qui s'est passé ici en France et partout dans le monde, parce qu'une fois que c'était en France, ça s'est propagé un petit peu partout. En Amérique latine, au Canada, aux États-Unis, il y a eu partout des mobilisations pour notre liberté. Est-ce que le fait d'avoir été une femme a joué, et est-ce qu'une femme résiste différemment dans des conditions de détention comme les vôtres ? Oui, moi je crois qu'une femme résiste différemment, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. On ne peut pas résister par la force. Et on est très vulnérable. Très vulnérable et en même temps à la fois très courageuse et très solide. On a d'autres. Notre force est différente. Notre force, c'est une force intérieure, j'allais dire.
Ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas. Je pense qu'ils ont, que les hommes ont une force intérieure extraordinaire. Mais nous, c'est la seule. On n'a pas l'autre. Vous parliez de prononcer tout à l'heure le nom des otages. Vous, en captivité, vous avez refusé de n'être qu'un numéro. Oui. Et d'ailleurs, vos compagnons otages étaient furieux contre vous. Mais vous avez continué à dire Ingrid Betancourt au moment où, les FARC ont essayé de vous débaptiser finalement. Oui, c'est un moment très intense de la captivité. Alors, ce qu'il faut quand même que vous sachiez, ce qui est monstrueux, c'est que mes trois compagnons américains, quand ils ont été capturés, sous prétexte que les guérilleros ne pouvaient pas prononcer leur nom, qui pourtant n'était pas très difficile à prononcer, parce que c'était Tom, Mark, Kit, vraiment, ils auraient pu faire l'effort, ils leur ont donné un autre nom, hispanisant, donc c'est devenu Antonio, Pedro et Juan. Imaginez ce que c'est déjà ça, de vous faire appeler par un nom qui ne vous correspond pas, qui ne vous dit rien. Bon, ils arrivent dans cette prison qu'ils avaient organisée dans la jungle, et c'est vrai que j'ai comparé cela au camp de concentration, parce que c'était vraiment l'image que moi j'ai eue des camps de concentration avec des fils barbelés, des tours, etc. Je fais les différences avec camp d'extermination, évidemment, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Nous, on n'a pas vécu cela. Mais on est donc parqué dans cette prison. On a peur, on ne se connaît pas. On doit dormir les uns à côté des autres dans des espèces de lits superposés, en ayant peur de ce qui peut nous arriver, d'être là avec des inconnus. Et à 4h30 du matin, se pointent deux gardes en hurlant. Et tout le monde sursaute, on est là, terrifié, parce qu'on se dit, bon, on ne sait jamais ce qui va se passer, s'ils vont nous tuer, ou s'ils vont nous faire courir, ou si, bon. Et là, il nous crie, numérotez-vous. Ah, moi, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Ah, pas du tout, ça ne m'a pas du tout... j'ai vraiment pas du tout compris jusqu'au moment où on était tous donc... si vous voulez, il y avait un certain ordre. Ceux qui étaient à côté de la grille et puis... par ordre, celui qui était tout juste à côté du garde a dit 1. Et puis le suivant a dit 2, et donc j'ai compris, numérotez-vous, c'était ça, c'était dire voilà, un chiffre pour montrer qu'on était présent. Et quand c'est arrivé à mon tour, j'ai pas pu dire 5 ou 6 ou 7, j'ai pas pu dire ça. J'avais trop d'images dans ma tête qui me revenaient, j'ai pas pu, et j'ai dit Ingrid Betancourt. Alors là, ça a été un silence très très lourd. Et puis les insultes des gardes. J'ai dit, écoutez, si vous avez besoin de savoir si je suis là, vous m'appelez par mon nom, puis je vous répondrai présent. Et puis, ça a été très, très mal pris par mes compagnons. Je pense qu'ils avaient très peur, finalement, des conséquences de cette attitude, et ils pensaient qu'on allait être punis, finalement. Et donc, ça a été une réaction très viscérale, du style « Mais pour qui te prends-tu ? Tu crois que tu es mieux que tout le monde ? Tu ne peux pas répondre comme tout le monde ? Tu n'as qu'à dire un chiffre ? Mais non, mais tu te prends pour une princesse, voilà, c'est parce qu'on tenait à la radio. » Et tout devenait une boule de choses qui s'ajoutaient les unes aux autres, et c'était très, très agressif. Et j'avais beau essayer de m'expliquer, ça ne faisait qu'accroître l'animosité qu'ils avaient contre ma réaction. Et alors, la chose vraiment très curieuse, c'est que le commandant qui terrorisait tout le monde, parce que c'était un homme voilà, dont tout le monde avait peur, rentre dans la prison, comme ça, il avait toujours un regard, et les gens tremblent, mes compagnons, et il y en a déjà qui sont en train de demander des excuses, et oui, mais c'est pas de notre faute, mais c'est elle qui, bon, etc. Et puis le gars stoppe tout le monde et dit « Ah mais non, mais ce que je viens de vous dire, écoute, Ingrid, vraiment, je ne sais pas pourquoi vous l'avez pris comme ça, hein. Nous, on vous demande de vous numéroter, il faut quand même qu'on vous compte, c'est plus facile pour nous. Mais vous n'êtes pas très nombreux, donc oui, il n'y a aucun problème, vous direz votre nom, c'est tout. » Et ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir, en fait, parce que
D'abord, l'attitude du commandant était quand même diamétralement contrastante avec celle de mes compagnons. Et que c'est vrai que, en y réfléchissant, je me rappelle m'être dit, j'espère que demain, je ne vais pas repasser par le même truc. Parce que si ça va être tous les jours comme ça, la guerre pour dire le nom et le numéro, ça va être très très dur psychologiquement, parce que le poids des autres, la pression du groupe est très très forte. Et c'est vrai que j'ai été très soulagée que le gars soit venu nous dire, bon ben voilà. Mais ça a fait un clivage. À partir de là, il y avait une animosité. Parce que, si vous voulez, par vos réactions, d'une certaine façon, les gens, et ça c'est une autre chose que j'ai appris dans la jungle, qui évidemment doit nous servir de miroir, c'est en fait nous critiquons les autres plus parce que nous voyons en nous-mêmes qui nous déplaît et que nous voulons nier que pour la vérité des autres. Quand on dit il est égoïste, ben, c'est parce qu'il ne pense pas à nous. C'est notre égoïsme qui nous fait pointer le doigt sur les autres. C'est nos problèmes. Quand on dit cette personne est... Enfin, les jugements que l'on porte sur les autres sont en fait le reflet des défauts que nous avons et que nous ne voulons pas nous reconnaître. Donc, en fait, quand on y pense, c'est un grand soulagement. Parce que quand vous êtes critiqué par quelqu'un, vous vous dites, le pauvre, il a le même défaut que moi. Mais... ça aussi, ça vous limite pour critiquer les autres, parce que vous vous dites « Non, je ne vais pas jouer ce jeu qui finalement, d'abord, n'est pas juste et qui, en plus, révèle trop sur mes propres contradictions. » Ce livre est aussi un examen de conscience, parce que vous vous remettez en question, vous vous dites que vous n'avez pas été parfaite, que vous aussi, vous avez eu des bassesses. Oui. Bien sûr, après votre libération, vous avez su qu'il y avait eu des livres à charge de certains otages disant que vous étiez froide, arrogante, etc. Comment avez-vous vécu ça ? Bon, je crois que j'ai fait vraiment la politique de l'autruche. J'ai mis ma tête dans le sable et j'ai laissé passer. Pas très courageux, mais en fait, je le dis ça avec une pointe d'humour, parce que je crois qu'il faut apprendre à ne pas réagir. La politique de l'autruche, de temps en temps, elle est bien, parce qu'il ne faut pas réagir. C'est un peu les dommages collatéraux d'une médiatisation immense. Oui, je pense qu'il y avait ça. Je pense qu'il y avait aussi le fait que nous continuions mentalement à être manipulés par les FARC. Ils nous avaient donné des éléments pour nous haïr. Et ce n'était pas parce que nous étions dehors que toute cette animosité avait disparu. Il y avait certains d'entre nous qui, dans la libération, continuaient à vivre dans la douleur de ce qui s'était passé, de ce que nous avions vécu. Et qui continuent d'ailleurs à vivre comme ça. La liberté de l'âme n'est pas nécessairement collatérale avec la liberté physique. Il faut pardonner. Et c'est vrai que le pardon est quelque chose de difficile souvent à gérer. Donc je pense qu'il y a eu la médiatisation, je pense qu'il y a eu la difficulté de se remettre à vivre en lâchant le poison qu'il nous avait instillé d'une certaine façon pendant toutes ces années. Mais je pense qu'il y avait aussi des conditions objectives. Je pense que certains de mes compagnons ont trouvé à un moment donné à la sortie cette espèce de d'espace... d'intérêt pour ce qu'ils avaient vécu, et l'appât des éditeurs qui voulaient prendre leur histoire et finalement vendre. C'est aussi une affaire commerciale. Et voilà, ils avaient besoin de faire que cette histoire ait une résonance médiatique. Et pour certains, le choix délibéré a été d'attaquer justement la personne la plus médiatique du groupe, et que il y avait des calculs, si vous voulez, je pense très dans ce registre-là, et que tout ça finalement
ces données et que heureusement, si vous voulez, j'étais en train d'écrire mon livre, je ne voulais pas lire les leurs parce que je ne voulais pas que mon livre, je ne voulais pas me nourrir de tas de choses qui finalement feraient que mon livre serait différent de ce que je voulais l'écrire, de comment je voulais l'écrire. Et puis maintenant, avec le temps, ça n'a plus aucune importance pour moi, dans le sens où je me dis que la seule chose qui compte, finalement, pour moi, c'est que c'est mes frères. On a vécu quelque chose de terriblement difficile. Certains d'entre nous arrivons à nous récupérer psychologiquement, émotionnellement, de tout ce que nous avons vécu, d'autres non. Et que je pense que la seule chose que nous pouvons retenir de tout ça, ou en tout cas que moi je veux sauver, c'est notre condition de frères et de sœurs. Vous disiez tout à l'heure devant 500 jeunes de Nancy, 500 lycéens qui étaient réunis, qui avaient travaillé sur votre livre, que vous étiez sœur avec Clara Horace justement et que vous aviez traversé le même enfer de façon différente, mais le même enfer. Vous avez aussi toute une famille, et on parle toujours moins de ce qui fonctionne bien que de ce qui fonctionne mal. Vous avez une famille aujourd'hui d'ex-otrage, entre guillemets, avec la, que vous continuez à voir, oui. Lucho pour commencer, mais Pincho, vous, oui. Pincho qui s'est fait, évadé, qui a réussi évadé, lui. Et qui fait ses études à Lille. Vous continuez à oui. vous reconstruire ensemble, ah, à oui, vous oui, voir. Oui. Non, mais on est très intimement proches. Imaginez ce que c'est. Je n'ai jamais vécu avec personne dans ma vie autant qu'avec ces hommes-là. 24 heures sur 24. Je n'ai jamais vécu aussi intensément, ni avec mes parents, ni avec mes enfants, ni avec aucune personne dans ma vie. C'est-à-dire qu'on était obligés de se voir les 24 heures pendant 6 ans et demi. Ce qui vous a relié au monde pendant tout ce temps, c'est la voix de votre maman, c'est la radio la nuit. Pourquoi est-ce que les FARC vous ont laissé écouter la radio ? Bon, je pense que c'était dans leur intérêt de nous calmer, de nous donner des éléments pour nous apaiser. Et c'est vrai que la voix de la famille apaise. Ça permet d'accepter la journée qui passe. Et c'était votre maman toutes les nuits et des otages n'avaient aucun message. Oui, ça c'était aussi terrible. C'est que certains d'entre nous avions nos familles constamment, presque religieusement, tous les jours à la même heure. Et puis il y avait ceux qui n'avaient pas de message. Et ça crée aussi des jalousies, des animosités, des... Voilà. Moi, je me souviens, par exemple, c'était quelque chose qui me frappait beaucoup. De temps en temps, bon, alors, chacun avait la radio qu'il pouvait avoir. Alors, de temps en temps, il y avait des radios de meilleure qualité que d'autres, évidemment. Ou alors, il y avait celui qui avait des piles et puis ceux qui n'en avaient pas. On n'était pas tout le temps dans la possibilité d'écouter le message, alors que d'autres pouvaient l'écouter. Et souvent, la situation se présentait que, voilà, pour une raison ou pour une autre, l'antenne n'avait pas marché, j'avais pas de pile, etc. Je n'avais pas réussi à écouter le message de maman, alors que je savais qu'elle l'avait émis. Et j'essayais de demander à mes compagnons s'ils avaient entendu la radio. Et certains avaient pour réflexe de ne pas vouloir raconter ce qu'ils avaient entendu, ne pas vouloir partager. Et en général, c'était ceux qui n'avaient pas de message pour eux. C'était tellement dur pour eux d'accepter qu'ils étaient d'une certaine façon oubliés par les leurs, qu'ils ne pouvaient pas accepter la joie, ou si vous voulez, assister à la joie de celui
qui recevaient ce message. Et du coup, ils se refusaient à dire quel message ils avaient entendu. La nature humaine. La nature humaine. Nous avons tous certainement en mémoire encore cette vidéo qui a été diffusée 6 mois avant votre libération, au moment où vous étiez donc très malade, vous avez la malaria, vous êtes assez proche de la mort, cette vidéo qui a ému le monde entier. Et puis, on vous a vu descendre de l'avion et vous étiez éblouissante de vie, souriante. Je pose cette question parce que nous en avons parlé tout à l'heure et je vous ai demandé s'il y avait si vous aviez eu un traitement différent dans les semaines qui avaient précédé cette opération en hélicoptère. Et c'est le bonheur de la libération qui transforme physiquement, oui, en quelques instants, en fait. Oui. Oui, il y a une transformation. Quand on parlait, je vous donnais l'exemple de la femme qui accouche. C'est étonnant, les femmes qui accouchent, cette lumière. Je crois que les plus belles photos, ce sont celles que l'on prend. Quand on a eu un bon accouchement, oui, disons. Puis l'accouchement, surtout, le 6 années et demie de détention. Oui, c'est pour ça que je le compare, parce que ça a été vraiment cette impression de rêve. Enfin, matérialisation du rêve. Et je me souviens, regardant le visage de mes compagnons, que je venais de voir donc dans l'horreur, dans la crispation, dans l'angoisse, dans le stress, montant dans cet hélicoptère, menottes au poing. Pensant partir encore dans un autre coin de la jungle. Voilà, voilà. Et se disant, bon voilà, on est parti dans cet hélicoptère, ça va être encore 10 ans de captivité. Et c'était marqué dans nos traits. Et tout d'un coup, on nous annonce la liberté. C'est évident qu'il y a une transformation physique, parce que de cette angoisse, de ce stress, de ce malheur, on est passé sans transition à une espèce de béatitude. Et de... Voilà. On était... Et c'est vrai qu'on pouvait le regarder dans... On pouvait le voir... Physiquement, moi je l'ai vu, je l'ai vu. Et il y avait autre chose aussi que j'ai aussi remarqué, c'était le teint. Quand on est sorti de là, nous avions tout le teint de la jungle. C'est une couleur verdâtre, très particulière. Et on l'avait tous, et on l'a perdu. Et c'était comme ça, c'était des images très très fortes. Alors, est-ce que votre livre est traduit en Colombie ? Oui. Oui. Aujourd'hui, vous avez fait le deuil de votre vie politique, le deuil des rêves que vous aviez eu aussi, je pense, pour la Colombie. Non. Non, mes rêves, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est un pays qui va mal. Je sais que le chef des FARC a été tué en septembre dernier. Est-ce que vous pensez qu'il y a une négociation possible avec les FARC ? Comment voyez-vous l'avenir de la Colombie aujourd'hui ? Bon, je crois que la Colombie s'est beaucoup améliorée. Il y a eu des choses qui ont été faites qui sont positives. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, le président actuel de la Colombie, je crois qu'il a de bonnes intentions. Je crois que c'est un homme sérieux. J'espère qu'il va réussir sur deux dossiers qui me semblent très importants. Le premier, c'est évidemment la paix. Très difficile parce que avec les FARC, on ne sait pas bien qui ils sont. Et c'est un cartel de la drogue aujourd'hui. Voilà. C'est pour moi, si vous voulez, dans mon vécu, ma conclusion est celle de me dire qu'ils n'ont aucune envie de négocier parce qu'en fait, ils sont dans leur vie qu'ils ne veulent pas quitter. Ils ont à travers de la drogue non seulement un financement illimité, mais ils ont de cela une puissance et un pouvoir régional qui leur permet de vivre comme des rois. Véritablement avec le droit de vie et de mort sur les personnes qui habitent dans le territoire qu'ils contrôlent.
C'est dur de quitter cela. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir dans la paix s'ils ne sont pas intéressés véritablement par une transformation du pays politique? Il n'y a rien à leur offrir. On ne peut pas leur offrir les milliers qu'ils ont, on ne peut pas leur offrir la puissance, le pouvoir qu'ils ont. Donc, s'ils ne sont que des narcotrafiquants, il faut les confronter par les armes, parce qu'on n'a rien à leur offrir. Si ce sont des révolutionnaires, et si la politique les intéresse, c'est dans la politique qu'il faut leur offrir quelque chose, une place dans la vie politique. Le problème avec les FARC, c'est qu'ils n'ont pas d'agenda politique, ils n'ont pas de proposition politique. Ils se sont, si vous voulez, appauvris mentalement, je trouve. Ce n'est plus véritablement une option pour la Colombie. Donc, ça, c'est un problème. Alors, l'autre problème, ou l'autre dossier fondamental, c'est l'aspect social. Il faut que l'on arrive en Colombie à faire de la Colombie un pays avec les mêmes opportunités sociales. En ce moment, il y a 50% des Colombiens qui vivent dans la misère, qui n'ont pas le droit à la justice, qui vivent dans un monde ignoré par l'autre moitié de la Colombie. Ils sont gênants. On ne veut pas les voir. Ils ternissent l'idée d'une Colombie merveilleuse qui aspire à la prospérité. Et moi, je trouve que tant qu'en Colombie, il n'y aura pas de place pour les malheureux, où on voudra les ignorer, où on ne voudra pas trouver des solutions réelles, c'est ce côté cynique et dur de l'âme colombienne qui, moi, me préoccupe. Je crois que, si vous voulez, il faut passer par une transformation des cœurs en Colombie. Il y a de temps en temps beaucoup de froideur, de dureté de cœur qui évidemment est le résultat de 100 ans de guerre. Les gens s'endurcissent. Mais il faut accepter de souffrir pour les autres si on veut transformer le monde. Vous avez demandé il y a quelques mois une compensation au gouvernement colombien pour votre détention, compensation que vous avez retirée. J'aimerais que vous en disiez quelques mots et que, avec le recul aujourd'hui, vous répondiez à la question de votre imprudence ou pas le jour où vous êtes parti sans escorte sur les routes où vous avez été enlevé. Et où votre père était d'ailleurs si malade que vous hésitiez à partir, ce oui. Père dont vous apprendrez la mort de façon terrifiante dans la jungle par un journal laissé par les FARC, ce qui montre leur sadisme en même temps. Pourquoi cette compensation? Pourquoi l'avoir retirée Mais je vous remercie en fait de mettre les deux thèmes en juxtaposition, parce que je crois qu'ils sont liés, celui de la responsabilité, dans l'enlèvement, et celui de la compensation. Il faudrait un petit peu revenir à certains faits. Au moment de ma séquestration, le gouvernement colombien, je crois, du moment, donc pas celui qui m'a libérée, mais celui d'avant, a eu très peur d'être responsabilisé de mon enlèvement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une série de choses qui sont passées qui pouvaient les rendre responsables, pas coupables, puisque la culpabilité, c'était évidemment les FARC, mais responsables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en campagne présidentielle, et les candidats présidentiels ont évidemment, en Colombie, ça fait partie de la loi colombienne, le droit à une protection, parce que la Colombie est un pays quand même qui a des problèmes de sécurité. Beaucoup de candidats présidentiels ont été tués. Les magnicides sont chose courante dans l'histoire colombienne. Donc, vous aviez d'ailleurs été menacé deux ou trois fois. D'ailleurs, vos enfants avaient quitté la Colombie. Vous les aviez envoyés dans un autre pays. Oui. Disons que ça fait partie de cette atmosphère due à beaucoup de choses. Récemment, le trafic de la drogue, la corruption, situation un petit peu difficile, et moi j'avais lutté contre la corruption et les trafics en drogue, donc j'étais un petit peu sensible à ce niveau-là, au niveau de la sécurité. Donc
J'ai programmé de faire ce voyage à San Vicente. Pourquoi ? Parce que j'ai le maire de San Vicente qui fait partie de mon parti. Drame, 2 jours avant donc ce voyage qui faisait partie de l'agenda de la campagne, les pourparlers de paix finissent abruptement entre le gouvernement et la guérilla des FARC. Drame parce que c'était à San Vicente que ces pourparlers avaient lieu. Et donc je reçois un coup de fil du maire de San Vicente me disant « S'il te plaît, ne remets pas à plus tard ton voyage parce que les gens ont peur ici. On est constamment, il y a des hélicoptères qui survolent la région tout le temps et la peur que les habitants de San Vicente avaient, c'était pas par rapport aux militaires, mais c'était par rapport aux paramilitaires. Ils se disaient, étant donné qu'on a vécu avec les FARC pendant des années, puisque les FARC s'étaient installés à San Vicente, maintenant les paramilitaires vont venir et vont nous passer la note et ils vont massacrer tout le monde. Donc ils avaient peur. J'organise donc le départ avec la condition que j'ai une escorte suffisante pour ne pas avoir de problème. Et on me confirme mon escorte à 5 heures du matin avant de prendre l'avion pour Florencia. Et de Florencia, je devais faire donc la route entre Florencia et San Vicente. Il se trouve qu'au même moment, ce même jour, le président de la République décide d'aller au même endroit. Et que, peut-être parce qu'il avait peur que je sois là en même temps que lui, parce qu'il voulait faire un grand truc médiatique, il voulait prouver au monde entier que le fait d'avoir été si généreux avec les FARC pendant les pourparlers de paix, puisqu'il avait accepté de les laisser vivre dans cette zone sans présence des forces armées colombiennes, la grande critique qui lui était faite à ce moment-là au président Pastrana, c'était de dire, voilà, vous avez donné le territoire, une partie du territoire colombien aux FARC, et maintenant on ne va pas plus pouvoir le récupérer parce qu'ils sont en force, et les militaires colombiens vont avoir du mal à les déloger. Donc Pastrana avait dit 48 heures pour qu'ils partent. Voilà, on était en plein dans les 48 heures, il voulait démontrer que les militaires avaient pris possession de la région, et que donc le territoire était sous contrôle militaire et qu'ils avaient réussi à déloger les FARC. Et moi, je suis là. Le président ne veut pas que je sois au même moment à San Vicente. Et au moment où je vais partir, il donne l'ordre que mes escortes, qui sont des escortes de l'État, une partie de la police et une partie de la DAS colombienne, ordre de ne plus m'accompagner. Et moi, je suis donc en campagne présidentielle, en comprenant un petit peu que c'est quand même une pression indue, parce que je me dis, voilà, si moi j'accepte que chaque fois que le président colombien ne voudra pas me voir quelque part, il m'enlève mes escortes, fini la démocratie, je ne peux plus faire de campagne. Donc c'est quand même une décision de principe. J'ai en plus les gars qui m'attendent à San Vicente El Caguán. Que faire ? C'est vraiment un dilemme pour moi. D'autant plus que c'est vrai que je n'ai pas envie d'y aller, moi, à San Vicente, parce que j'ai envie de rester. Mon père est très malade. Bon. Ils m'enlèvent les escortes. Je prends la route en me disant il y a des militaires partout. Il y a des hélicoptères qui font l'aller-retour sur San Vicente et Florence à toutes les demi-heures. Donc, ce n'est pas possible que les FARC soient là. Et qu'en plus, le président est en train de faire son allocution pour dire tout est sous contrôle, il n'y a pas de problème de sécurité dans la zone. Je prends la voiture avec 5 personnes avec moi. Une voiture offerte, donnée, facilitée par le gouvernement colombien quand même, qui ne veut pas qu'on dise « Ah oui, mais c'est parce qu'on l'a empêché d'y aller » pour des raisons de protagonisme, etc. Donc il me donne quand même un véhicule, il m'enlève les escortes, mais il me donne un véhicule, et je passe un barrage militaire, et on me dit « bonne route ». Et je passe avec tout le monde. Ce n'est pas Ingrid Betancourt et son petit comité de campagne qui passe le barrage militaire toute seule. Il y a tout le monde qui passe.
C'est un contrôle d'identité pour savoir vos papiers, qui passent et qui ne passent pas, mais il n'y a pas véritablement d'interdiction de passer. Je passe comme tout le monde, avec des taxis, avec des bus, avec des motos, avec d'autres voitures particulières, et notamment une voiture de la Croix-Rouge qui est en face de, qui est devant moi. On arrive au barrage des FARC, qu'on ne pouvait pas voir parce que c'était un terrain difficile et il fallait qu'on descende, et à la montée on les voit et donc on est déjà pris dans le piège. Et au moment où je suis capturée, le gouvernement colombien décide de dire qu'il m'avait averti, que je suis partie et que j'ai pris des risques, que j'étais consciente, que le gouvernement a essayé de m'empêcher de partir, mais que j'en ai fait qu'à ma tête et que c'est de ma faute. Et pourquoi est-ce qu'ils le font ? Ils le font parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux, et ils le font avec d'autant plus d'impunité que je suis prise par les FARC, que je ne peux pas parler et je ne peux pas me défendre. Alors, on revient au jour d'aujourd'hui. Il y a une loi en Colombie qui protège les victimes du terrorisme. Et cette loi, elle n'a pas été faite pour Ingrid Betancourt. Elle existe depuis des années. Et mes compagnons qui ont été libérés avant moi ou avec moi ont présenté leur demande de compensation avant moi. En fait, j'étais la dernière à présenter cette demande de compensation. Et quand ils l'ont fait, personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé cela naturel. Quand moi, j'ai présenté la mienne, le gouvernement colombien a complètement déformé la chose. Ils ont dit qu'en fait, j'accusais en justice les soldats qui m'avaient libérée. Je ne sais pas si vous voyez la transformation de la chose. Vous avez une loi qui vous protège et vous donne droit à des compensations, et on présente cela à l'opinion publique comme elle est en train d'accuser les soldats qui l'ont libérée. C'est absolument ignoble. Mais évidemment, le twist peut se faire, parce qu'évidemment, il y a une demande de compensation. Et ils jouent sur l'information. Ensuite, ils disent « Ingrid Betancourt veut s'enrichir sur sa séquestration. » C'est quand même ignoble, s'enrichir. Vous venez de passer 6 ans et demi d'horreur, et lorsque vous faites appel à cette loi qui vous protège, on vous accuse de vouloir vous enrichir. Alors que c'est un barème qui est établi par la loi, que vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas à dire si c'est plus ou c'est moins, ça ne... non. Vous présentez dans cette espèce de cadre juridique qui vous est offert, et vous devenez un monstre. Et donc, vous faites la transition en un instant de victime à criminel. Et pour moi, ce qui a été très dur et ce qui continue à être très dur, c'est que les mots qui ont été utilisés, les insultes qui ont été utilisées contre moi, contre ma famille, ont été d'un calibre que je crois sincèrement même Pablo Escobar n'a jamais subi. Ils m'ont traité d'une façon terrible. Alors, aujourd'hui, j'en parle et c'est vrai que j'ai encore mal. Ça se sent probablement. J'essaie de faire la part des choses, mais j'ai beaucoup de mal à faire la part des choses. Je voudrais me dire, oui, la Colombie a été mal informée. J'ai du mal. J'ai du mal parce que je me dis, ce n'est pas possible qu'en Colombie, il n'y ait pas eu une seule personne pour se dire, attendez une seconde, c'est quand même une loi et c'est quand même une victime. Il y a en Colombie, je pense, une situation qui n'est pas seulement la situation qui m'est personnelle, mais qui est un réflexe de société. Finalement, c'est de la faute des victimes. Oui, chaque fois, c'est la faute des victimes. Et on le voit tout le temps. Une femme se fait violer, c'est de sa faute. Elle était habillée légèrement. Un curé se fait assassiner dans un coin. Ah, il devait avoir sûrement des histoires avec les paramilitaires. Un paysan se fait assassiner, c'était certainement un formateur de la guérilla. Enfin, je veux dire, il y a le besoin
Et je pense que c'est quelque chose de psychologique chez les Colombiens, de nous dire ça ne va pas m'arriver à moi parce que moi je ne suis pas comme la personne qui a été victime. Je ne serai pas victime parce que moi je ne suis pas informateur de la guérilla, parce que moi je ne suis pas en contact avec les paramilitaires, parce que moi je ne m'habille pas d'une façon provocante et parce que moi je ne vais pas me mettre dans la gueule du loup comme a fait Ingrid Betancourt. Eh bien non, c'est un grand mensonge. Voilà. C'était important d'entendre votre vérité. Alors, je vais vous laisser aller dédicacer parce que vous êtes obligé de repartir ce soir au dernier TGV. Demain, vous êtes à l'étranger à nouveau. Donc, vous posez mes deux dernières questions, comme je m'y étais engagée. Je vous avais dit qu'à 19h, j'aurais terminé. Comment vivez-vous aujourd'hui ? Plus en Colombie, je crois. Dans quel pays allez-vous vivre demain et quels sont vos projets ? Est-ce que vous avez retrouvé une vie normale ? Bon, j'ai retrouvé une vie normale. J'ai même un début de rhume. Pas à Nancy, vous l'aviez avant de venir. Oui, absolument. Non. Mais je ne contamine pas. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un chaud-froid. Alors, où j'habite ? En fait, j'habitais pendant ces 2 ans et demi entre des valises. Entre mon fils, ma fille, maman. Et je crois que maintenant, il faut que je trouve un endroit, une adresse qui ne soit pas virtuelle. Donc voilà, ça c'est mon projet pour l'instant, c'est de me dire que je veux trouver cet endroit. J'y suis presque. Je veux avoir une activité qui m'enrichisse mentalement. J'ai envie d'être dans la réflexion, dans l'écriture, sûrement encore. Sûrement. Continuez surtout, parce que ce livre est un très beau livre et un livre qu'on n'oublie pas. Donc, je vous attends pour le prochain livre. Merci. Et je crois qu'il y a, je crois que c'est très récent, cette impression d'être revenue à une vie normale. J'ai eu cette sensation un matin. Après l'avoir écrit ? Ah oui, mais c'est tout récent. Il a servi à vous libérer. Je pense que c'est même, je dirais, 3 semaines. Il y a 3 semaines que je me suis dit, ça y est, je suis à nouveau moi. Oui. Est-ce que, avant tout, et même pendant votre captivité, vous n'avez pas été, vous n'êtes pas une femme libre ? Je suis une femme libre et j'assume. De temps en temps, on fait des choses que les gens n'aiment pas ou que les gens ne comprennent pas, ou on les fait et on a mal expliqué. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais je pense que, voilà, j'assume ce que je fais et c'est pour ça que je suis libre. De temps en temps, c'est mal compris, mais j'assume aussi. Je vous remercie Ingrid pour cette journée passée à Nancy. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous donne mon stylo pour aller dédicacer. Notre prochaine rencontre est donc le lundi 18 avril. Retour à l'opéra, je recevrai la comédienne Marie-Christine Barrault. Je vous donne aussi rendez-vous le 10 mars, Salrographe. Là, ce n'est pas moi qui animerai, c'est Michel Wagner de l'Est républicain, mais Alexandre Jardin viendra présenter son dernier livre et je pense que ce sera une rencontre très intéressante à 17h30. Merci encore Ingrid, merci. 3 quarts d'heure de dédicace. Thank you.